Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve pour une petite compilation de jeux cool cette fois. Parce que des fois ils sont un peu chelous. On commence tout de suite avec le jeu s'appelle Sniff, drôle de blague. Alors on est donc sur Sniff, voilà, donc c'est un jeu où on commence dans une chambre d'asile psychiatrique si vous voulez. Et en fait on doit se servir de médicaments ou de drogue je crois pour s'évader. Ah par exemple là il y en a, hop je la prends, je la sniff. Et je peux passer à travers la porte, voilà. C'est bizarre. Du coup on se retrouve en dehors de notre chambre, on est dans l'illégalité la plus totale putain. Oh ouais, je savais y aller avoir un garde. Eh vas-y. Oh oui, oui, ça le met très mal, putain. Il est pas habitué, lui, il boit du lait en soirée et tout. Aïe. Space to jump. Oh. Ah oui, mais c'est une montée, ça, c'est... Non, 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 c'est bien un trou, putain. Alors, on a une perf ici. Ouais, ça, ce qui est bien, c'est que c'est pas glauque du tout, ce jeu, ça fait vraiment plaisir. Et y a plein de poils partout, j'en ai marre. Moi, c'est pas l'hiver vient, pas comme dans Game of Thrones, c'est l'été arrive. Et du coup, les poils de chat avec, bordel. Là-bas, y'a de la drogue. Alors, oh, regardez-moi ce petit... Oh. Oh, petit enculé. Ah, il m'a défoncé, d'accord, il est plutôt rapide, en fait, hein. Spawn kill, vas-y, viens. Non. Ok, j'ai la tête à l'envers. Ah, mais toi aussi. Tourner dans le vide. Attends, il m'attrape en tournant dans le vide, quoi, Indila. Non, mais il a pas d'humour, ce garde. Oh, c'est... Attends, j'ai été hit par un laser. Je pense que, du coup, j'ai besoin du deuxième truc de drogue qui est là-bas pour neutraliser le deuxième garde. Et ouais, mon gars, on en a dans le ciboulot. Comme disait Gilles Zezel. Hop là, allez, t'es drogué. Oh, putain, il y a des lasers. Ah, ah eh. Allez, on se souvient des cours d'athlé, là. J'ai jamais fait de cours d'athlé, putain. C'est pas grave, on imagine. Non. Quoi? Eh, on fait du logobi. Non. En fait, ils veulent tous danser le logobi ici. Ah, mais non, mais tout. On va attendre qu'ils reviennent. Voilà, on fait comme la corde à sauter. Putain, pardon. On prend le truc, on est bon. Là, je... Mais non, mais... C'est trop mal fait. On va pas rager sur ça, bordel. On fait que de rager en ce moment. Faut se détendre un peu, là. Et je peux pas sauter sur le petit rebord. Voilà, voilà. Du coup, j'ai ma drogue. Ma coke, ma weed, mon corps. Bon, pardon, excusez-moi. En fait, ça... Oh, putain, ils font peur, ils mettent la pression. I will kick your fucking ass, motherfucker. Tu te transformes en monstre, comment ça se passe? Alors, y'a quoi ici? Y'a pas un autre garde? Non, c'est la porte pour s'évader de l'hôpital. Oh non, il me faut un truc de drogue pour passer la porte. C'est maintenant ou jamais, l'épreuve ultime. Je suis tendu. Et de 1. Et de 2, je me tire. Oh là là, la joie s'empare de nous. Et... Mais non! Mais c'est sérieux! Mais c'était pas la bonne drogue! Je range, je m'en bats les couilles! Je m'en bats les couilles de ton... Hop là! Oh putain! C'est passé! Jean-Michel, je m'en bats les steaks, est vraiment un homme... Ta mère! Ta bonne grosse mère! Attends, on est où là? Ah mais du coup, ça... Ok, ça a checkpointé ici quand même, donc on est bien! Oh, attends mec, ça part carrément en couille quoi! Mais c'est pas grave, parce qu'on a fait de la corde à sauter! Donc là, on a une drogue, c'est pour aller de l'autre côté de la porte. Quelle là, on est d'accord? Ça dégage! Allez! Ok, enfin pas plutôt. Vous avez compris? Ok, battle engagé. Trop fort pour moi. Mais j'ai pas de drogue, comment voulez-vous que... Ah, je m'en bats les couilles, tu m'attraperas jamais. Jean-Michel esquive la drogue, fais péter la maison plein. Je vous mets tous à l'amende. Prends la drogue. Drogue. Mec, c'est beaucoup trop dur. Ouais, venez tous. Wouh, m'en bats les steaks. Oh, attends, le mec il s'est bouffé. Oh là là, mec, elle esquive. La drogue. Mais putain de... Attends, mais c'est super dur, c'est abusé là, sans déconner. Ah non, mais regardez, on est trop con, regardez. Hop là, mais oui, monsieur. Lui, il est mort. Non, non, pas dans la drogue avec moi, pas dans la drogue. Attends, d'où j'ai été catché? Je suis arrivé par derrière, c'est moi qui lui faisais une prise de catch. Attends, là, il y a un mec là, ouais. Merci, Counter-Strike. Hop, et on passe de l'autre côté. Ok, on continue. Putain, par contre, j'ai plus de drogue. Il me faut de la drogue. Là où il y a 3 lasers et 90% de chance de mourir, c'est la bonne direction. Oh mec, non, mais t'es sérieux? Attends, il y a des lasers qui tournent autour des poteaux, quoi. Non, mais please, arrêtez un moment. Oh là là. Oh là là, oh là là, où on est passé, monsieur? Où est la porte de sortie, s'il vous plaît? Excusez-moi, où est la sortie? Parce que je suis sûr que même ces mecs sont paumés. Regardez-le, il est totalement paumé. Il est rentré ici en 2006, puis voilà, depuis il est là avec sa blouse. Rendez la drogue aux abonnés. On va prendre ça et on va tracer, ok? Vous êtes prêts? Ah, 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 non! Non, la ruse, je m'enfuis! Ah, je déteste, putain! Où est la sortie? Là, regardez, c'est là, c'est là. Ça, c'est le couloir final. The Final Corridor, on l'appelle dans le milieu. Tu décèdes. Voilà. Ah non! Viens m'affronter dans les lasers. De retour dans le final corridor. We can final these legs. Je le t'entends. Oh, je t'entends mourir, putain. Tais-toi, Spaloma. Non. Ok. Oh non, pas ok. Oh, chier. Ta gueule. Oh, j'ai rien compris, mais... C'est tout ce que j'ai à dire, bordel. Je suis mort, on a gagné. Super hot. Il tente de nous lobotomiser. Reproduisez attentivement ce que je vais faire. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? On est maintenant sur Super Hot. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on testait des jeux stylés, c'est le cas. Click to start. Le principe est génial. En gros, quand on est à l'arrêt, le temps est au ralenti en bullet time. Et quand on marche, le temps passe normalement. Voilà. Bah. Nul. Oh là là, c'est tellement stylé. Hop là. Super Hot.
super hot. On dirait vraiment qu'ils essaient de créer une sorte de secte. Oh, oh là. Oh. Oh, ça fait mal. Ah, je suis mort quand même. Y'a un mec caché quelque part, non? Regarde-moi ce petit enculé. Ok. Oh, mais mec, c'est tellement compliqué. Y'en a partout, bordel. Oh, il est arrivé, il a sauvé son pote. Mais c'est tellement stylé, putain, je suis en érection de style. Oh là, ça sent la merde. Je suis plus. Et là, je débande d'un coup, c'est mi-molle. Faut que je prenne le gun. Ok, ok, ok. Ah non, mais d'où y'a pas le team? Eh, vas-y, je rush direct, je m'en bats les steaks. Ah, j'ai le gun. Et de deux. Oh non, merde, j'ai plus de balles. Oh, regardez comment c'est stylé, comment ça vole et tout. Bah. C'est tellement stylé. Les enfants, je pourrais jouer à ça toute ma vie, toute la journée. Ah, nickel, ok. Hop là. Ah non. Il est décédé. Il en reste 5. Oh putain, j'ai fait la balle, m'a vraiment fait une cicatrice, quoi. Harry Potter, c'est comme ça que lui. Il y a une balle qui est arrivée, elle a fait ça. Eh, si je meurs sur le dernier, je vais craquer mon slip. Oh, oh là 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 là. Super. Oh, stop, la secte, ça suffit là. Boss fight. C'est quoi, c'est un grand mec ou c'est juste un million de petits mecs? Bla. Yes. Ouais. Ah, le boss est nu, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a toutes les armes, mais lui il a plus d'armes du coup, donc il est nu. Voire même il prend sa douche quand t'arrives. Oh. Il m'a dit marche juste à travers la fenêtre. Ok. Et c'est la fin? Non. Stop. Super. C'est la fin du jeu. Attends, mais c'est juste le jeu indé le plus stylé auquel on ait joué, quoi. Tout est parfait. Ça demande du skill. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. On est maintenant sur Choupi Merde, qui est plus stylé que les deux jeux qu'on vient de faire réunis, et ça passe pas un mensonge. Memo, bienvenue à votre premier jour en tant que caissier à Choupi Merde. Allez, c'est parti, le reste on s'en fout. Alors, du coup, oui, bonjour, je passe cette pomme. C'est où pour entrer le code du fruit? C'est elle, 4017. Ok, c'est bon, 40-78. Attends, je suis à fond, non, quoi. Allez, tiens, je mets où? C'est où que je paye? Là, je la bip. Là, je la range dans ma poche en bas. Ok, il est. Attends, les parties sont payées. Vigile, putain. Oula, il est fâché, lui. Je sens grincheux. Je lui demande s'il a une carte. Ah, il est trop impatient, le mec, quoi. Calme-toi. En plus, il a un gros porc, quoi. Il achète une pomme et deux packs de bière. Et la pomme, c'est juste pour se réconforter moralement, c'est ça? Ton petit sac. Ma vie est cool. Eh, hey, tu soupires pas dans mon magasin. Allez, hop, j'encaisse. Tiens, tiens, voilà. Et pourquoi il y a une. Ah non, c'est la club card. Faut pas qu'il oublie. Ça bug. Bah oui, il a oublié sa carte, ça bug. Oh, mais non, mais fais chier, quoi. Mais c'est dur d'être caissier, putain. Et voilà, gens, c'est la fin de cette petite compilation de 3 jeux gratuits. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo comme d'habitude. Je suis content parce que les deux premiers jeux qu'on a testés étaient quand même excellents. Voilà, bon, ce dernier en qualité est un peu au-dessus, je trouve. Je crois que je me suis trompé de mot. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Peace.